Ce résumé vous est proposé par Nissan et Gazprom. Sponsor de l'UEFA Champions League. Ça, c'est pas mal non plus avec Jesus. Il peut frapper. Oui, oh, quel arrêt. Oh là là. Oh là là, le réflexe. Franchement, je ne l'ai même pas vu partir, moi, cette balle. Ah, mais écoutez, ça a été à une vitesse dans l'exécution et dans l'enchaînement. Et la puissance. Et la puissance. Et regardez d'où il vient. Il était dans l'action, presque en position d'arrière-gauche. Mendy. Mendy vers... Benzema. Ouais, Benzema. Et le but. Oh non. Où Vinicius? Ah, il n'a pas suivi. Il n'a pas anticipé. Il a été spectateur pendant tout un moment. Je vous dis, c'est le problème de Vinicius. Normalement, ça doit être au fond. Ça. Il n'est pas concerné sur cette action. Pas suffisamment, en tous les cas. On s'était étonné hier à Naples de ne pas avoir de coup de coin avant la 70e minute. Ici, on n'a pas eu beaucoup non plus. Celui-ci est pas mal donné. Bien dégagé. Ça va où, ça? Boum! Heureusement pour le Real qu'il n'y ait pas de maillot brun dans le coin. Gundogan. Mahrez, non? Si, pas de hors-jeu. Alors. Oh! L'arrêt! On parlait d'un dribble monstrueux, mais cet arrêt-là, elle était tout autant. Oui. S'il ne mesure pas, il n'aime pas la taille qu'il a, Marc, un autre gardien, c'est ouf. Mais quel réflexe il a eu! Il perd beaucoup de ballons, hein. C'est étonnant. Mais là, il récupère ou pas? Non, Walker. Oh non, Vinicius! Oh, bien joué! Avec Isco, ça doit être but, ça, oui! C'est but! Il ne perd rien du tout, Ben! Ils sont en train de prendre l'avantage, mais franchement, quelle erreur! Quelle erreur! On le savait, la première équipe qui allait commettre la grosse boulette allait le payer cash. C'était City. Le Real est devant grâce à un Vinicius et un Isco. Franchement, fantomatique. Écoutez, Griezmann hier, Marc. Aujourd'hui, c'est Isco. Les fantômes deviennent puteurs dans cette Ligue des Champions. Il y en a un qui avait tout le temps des mauvais choix depuis le début. Un autre qui n'avait pas d'occasion. Et là, une perte de balle assez incroyable de la part de Rodri. Attention, cela dit, City est bien là. Et si vous laissez De Bruyne arriver comme ça dans votre surface de réparation, c'est quand même presque vous faire un Rakiri avec ce but maintenant. Le voilà, c'est ça la Rakiri de City. On le sentait venir, mais il y a eu un moment d'absence hallucinant. Mais c'est incroyable. Et qui est à l'assist, Marc? De Bruyne. Encore une fois, qui perd la balle, qui va la récupérer. Donc ça, c'est étonnant de voir cette passivité qu'il y a eu dans cette défense. Mais comment vous laissez De Bruyne jouer comme ça? Regardez où ça arrive. Regardez là, tranquille. Et en deux minutes, ça aurait pu être 1-2. D'ailleurs, on discute beaucoup sur le banc des Anglais. Ce 1-1 est un excellent résultat, évidemment. Oui. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'aller chercher un deuxième, quitte à Mamakasté? Oh, penalty! Penalty! Et ce ballon a été perdu, mais la faute, elle est bien réelle. Et il est complètement ridicule. Ah ben, il est en retard, tout simplement. Donc, il tacle en retard et il touche l'homme. C'est à Courtois de se mettre en évidence. Parce que je suis... Franchement, il y a penalty. Quel changement. Ce ballon. Oh, c'est De Bruyne. C'est De Bruyne qui va le donner. Soit un bon frappeur de penalty, soit un bon gardien. Ça 1-2 tranquillou. De Bruyne, franchement, on vous dit que c'était le patron. Il le démontre encore une fois. Et un match qui bascule en même pas 10 minutes. Non,
un assist, un but, Marc. Encore une fois, il fait la différence. Oh, il va faire la faute. Il doit faire la faute. Et il est dehors. Il est dehors. Et il assistant, il est dehors. Il est, mais non, il est dehors. Il est dehors, mais il n'y a pas pénalty. Mais c'est carte rouge. Ben, il va donner la rouge quand même. Ben oui, évidemment que c'est la carte rouge. Ce résumé vous a été proposé par Nissan et Gazprom, sponsor de l'UEFA Champions League.